Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne FR, j'espère que vous allez bien les amis, nous continuons encore et toujours Rock Tower. Bon, on a pu se faire éclater en triple defense, d'ailleurs on est allé plus loin en triple qu'en double. C'est pour dire à quel point les upgrades nous ont aidés. Et on va tenter de péter notre record du niveau 24 en single defense maintenant que nous avons plus d'accès à d'upgrades ainsi que de tours. On devrait, en toute logique, aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que... comment? On se remet en QWERTY, c'est mieux. C'est vrai que avoir par exemple la tour radar contre Oogie, c'était victoire automatique. Donc ça va aller un poil mieux. Si on a ce genre de drop. C'est quand même très agréable. Au début, c'est vraiment très calme. Ah bah tiens, on en parlait. Hop, donc comme ça, on est sûr que... Oh, la double... La double formation comme ça. C'est vrai que le radar, c'est une portée de malade. Et ça peut tout à fait nous aider sur de la single lane, hein, parce que bah la map part assez en saucisse. Il nous faut absolument le lance-flamme mortier par contre. Ok, on prend déjà des dégâts. Ah, la tour canon. Oui, c'est vrai qu'on a débloqué la tour canon. Alors du coup, on va en profiter pour la découvrir. Parce que moi, ça, je m'en rappelle pas. Non, il n'y a pas de... Oh, c'est une tour anti-armure. Star mort, list shield, s'il vous plaît. Oh! Ça pierce les ennemis! Oh, Dieu! Ah, bah là, voilà la petite particularité. Ah oui! Oh, c'est génial! D'accord. Putain, tabasse en plus, hein. Même les ennemis sans armure. Okay. Oh, banditisme, plus 2 d'or chaque mort. Ah, mais c'est quand même une upgrade. Le shredder, on a déjà les biplans avec le radar. Tour lance-lame. Et le boulet va beaucoup plus loin que sa portée initiale de tir en fait au canon. Ça c'est vraiment bien. Le boulet il fait quasiment deux fois la portée. Ah, c'est le genre de tour qu'il faut mettre. Ouais. Ça va passer. Ils sont trop paqués. Ah, celui qui était faible au milieu, il est passé. Oh, la blague. J'ai bien fait de pas prendre de banditisme.
C'est con parce que notre début de chemin il est exceptionnel. Deux emplacements en plus 3. Je vais poser un lance-flamme sur le milieu là, le cas est... ne peut être loupé. Oh, le biplan qui peut faire du saignement. Oh. Tant qu'il n'y a pas d'armure qui arrive à ma tour. Je considère que c'est une victoire. Aïe aïe aïe. Continue à prendre des petites touches quand même. Oh là là, ce qu'on va perdre comme vie. Okay, on en a récupéré, mais genre 5, mais vraiment sur la tour. Plan pour Guy. Oh, le canon ici. Oh, le biplan qui a fini un bélier alors que c'est son truc. Les dégâts sont pourris dessus. Oh. Tient quelque chose. Oh là là, deux passages et il tue Ougi comme. Ok.
mec du shield commence. Oh yeah, yeah. Ah, les fantômes ça passe. Il me faut absolument Tesla au canon en particule. Oh le biplan qui sauve le... Et oh il sauve la donne et l'honneur. Rien contre le bouclier, ok. Je vais prendre le siphon parce que si je chope tour en particules, je puisse assumer lance-flammes et particules et Tesla en même temps. Oh putain, il a enlevé deux barres de shield à un boss shield fantôme en plus. Oh mon dieu! Il fait 30 de base. Ouais, il y a trop de... Oh. Trop de chine. Aïe, 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 on perd plein de vie par contre. Oh, les fantômes. Oh là là. Je vais crever à cause des fantômes. Et bah, laisse tomber, je peux rien faire contre le fantôme. J'ai rien contre le film. Je suis dégoûté. Ah putain. Ah pourtant, le départ s'annonçait très très bon. Draw frequency, une upgrade chaque tour. Alors, ça par contre. Ça, on va péter notre PB. Plus besoin d'attendre plusieurs rounds pour avoir une upgrade. Quand je pense qu'au début c'était genre tous les 4 rounds. Des belles lignes droites, c'est ça qui me motive. Round shots. Plus 1 sur armure. Oh, oh, oh. Oh là là, ouais, c'est bon. Oh, banditisme à ce stade du jeu, ce serait vraiment bien. Ça fera ma partie ou ça la défera absolument, je ne sais pas. Bah Tesla, c'est bien. Oh les... Oh les canons, ils peuvent faire de la brûlure. On va Tesla pour éviter de me retrouver comme un con comme tout à l'heure.
Ça touchait l'ennemi qui était après. Oh, c'est génial les canons. Plus 2 armure. Oh, encore banditisme. Vas-y. Flame thrower. Biplan plus 1. C'est pas mal quand ça revient sur le plane, c'est cool. Salut Galaxia, ça va bien? Tu as vu Deep Rock Galactic Survivor? Il a l'air cool. Alors, arrête-moi si je dis une bêtise. Deep Rock Galactic, c'est pas celui avec les nains qui devaient miner sur d'autres planètes? Parce que c'est un peu flou dans ma tête, mais je crois que c'est ça et que ça date un petit peu. Mais le Survivor. Le Survivor. Ils ont fait une suite. Deep Rock Galactic Survivor. Ah mais c'est un Vampire Survivor like. Ouais, oui voilà, c'est ça, ok. Non, effectivement. Ah mais il est tout récent. Ah oui, il date d'hier, d'accord. Eh bien, tu fais bien de m'en parler, je vais l'ajouter à ma liste de jeux. Et oui, il a l'air très fun. De toute façon, moi, tous les Vampire Survivors, j'ai fait tous ceux que je pouvais faire et qui m'intéressaient. Tu fais bien de m'en parler, c'est gentil. Je vais le bidouiller. Voilà, poser un lance-flamme ici, c'est une bonne idée. Ouais, putain, ils ont sorti un Vampire Survivor. Il est déjà très complet en vrai de ce que j'ai vu. Bah, après, c'est ce que je me disais aussi de Vampire Survivors. Et ensuite, ils ont rajouté 8 milliards de choses. Donc, c'est vrai que. Bah, moi, je suis très fan de ce genre de jeu. C'est stupide, mais j'adore. On va éviter de prendre un Burn Power parce qu'on a déjà le lance-flamme. Plus 50 les shields. C'est pas génial. Siphon. Ouais, les siphons. En vrai, les siphons. Plus 2. Est-ce qu'un plus 2, ça me permettrait de... J'ai pas assez d'or. Bon. Oh! C'est quoi cette tonne de maison? Plus 2 me permettrait de shooter aussi la lane là-bas. Ok, c'est cool. Foutre un maximum de dégâts de brûlure. Le chemin a été assez généreux avec nous, je dois l'admettre. Phosphore blanc, plus 1 au shield, plus 1 aux dégâts de la vie pour les mortiers, run shots, quand même. Après, je me sers des canons pour finir. J'ai rien de mieux. J'ai pas encore de tombe pour communiquer avec les morts. Enfin, communier avec les morts, pardon. Oui, c'est vrai qu'il a l'air très beau. Pour les quelques secondes que j'ai regardé sur Steam, c'est vrai qu'il a. Il a l'air d'avoir une bonne gueule, hein, effectivement. Je vais spammer les balistes autour des maisons, en vrai. Il y a de quoi faire beaucoup de sous, là, je pense. Je vais copier le focus des anciennes balistes. Sur les nouvelles, voilà. C'est clair qu'il avait une bonne patte. Mais de mémoire, Deep Rock Galactic, il était beau, hein.
c'était un peu une sorte de cel shading. Enfin, ça faisait, c'était très très agréable. Bon, ça pétait dans tous les sens, par contre, ça je m'en souviens. Putain, les balistes arrivent à tirer un peu d'ici. Oh, oh l'angle. Oh, l'angle de la tour canon. Ah oh, oui. Tour particule. Banditisme 3. Allez, vas-y, je suis en ouf. J'aurais dû poser des balises pour la maison. Merde. Ah, elle est très bien, cette maison au milieu, là. Si je vais foutre que des balistes ici, sur la portée, elle est moyenne. Ok, l'armure est facilement pétée, parfait. Une tour lance-flamme, ça suffit pas là-bas. On va bientôt arriver au niveau de Oogie, donc il va nous falloir absolument le radar dans peu de temps. Je commence à avoir beaucoup de tours. C'est pas pour me déplaire. Augmenter les dégâts de brûlure, ce serait pas mal aussi. J'ai toujours qu'un seul chemin ici. Biplan plus 1. Oh, les canons plus 3 armures. Oh là 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 là. Oh oui, le lance-flamme plus 50% de brûlure. Ouais, oh, pas mal de choses. J'ai toujours pas fait de mortier quoi. Ah oh, le canon qui a... Ah oh, le canon peut tirer d'ici. Oh c'est trop bien. Alors vise toujours celui qui a le moins d'armure et le plus de vie. Parce que de toute façon on va arriver au niveau de Oogie. C'est bien, ça fait de l'expérience. Putain l'avion comment j'adore quoi le... Je kiffe. Kill'em with fire. On a beaucoup de... Oh ! Ricochet ! Les boulets de canon ont une chance de se séparer à chaque tir. Oh ! Oh, c'est drôle. Oh, c'est très très drôle. Oh, la brûlure est sympa. On a vraiment beaucoup de lance-flammes. Je vais le prendre. Hop ! Oogie est de l'autre côté, bien évidemment. Alors, on va améliorer à fond ma tour, qui a déjà enlevé un tiers de vie à Oogie, presque. Allez, deuxième passage et tu me fumes Oogie. Oh, il l'a quasiment tué au deuxième passage. Oh ! C'est cassé, la tour radar. Oh, plus un la vie. Oh, les ennemis qui brûlent, super. Oh. Lance-flamme plus 1 armure. Oh là là, les upgrades qu'on a eu, trop bien. Brûlure, ça passe de plus 30 à 80. Ouais, mais là, on va avoir des ennemis avec du shield. Il y a les Tesla. Parce que là on va avoir besoin des Tesla. Est-ce qu'en plus 1, ça passe ici? Non, pas du tout. En plus 1 ici. Oh, ça passe pas. Oh, merde. Dommage pas de... En fait, le meilleur emplacement pour le Tesla, c'est ici. Deux chemins qui sont comblés. Pas génial. De toute façon, j'avais dit que je devais faire un canon en particules. Alors, liste
Armor Most Cheap. Alors, ma mana est en train de chialer. On va vite faire des siphons de mana, sinon je vais plus pouvoir tirer. Oh là là! On a perdu 8 vies. Ça se sent qu'on est tombé à court de mana. J'ai un sion de mana. Ouais, Tesla qui font plus de Oshin. Je suis un peu obligé de prendre. Ok, je récolte un maximum de mana. Terrible les fantômes. Non, oh, il est passé avec que dalle. Ok. Tesla plus 1 la vie, ça m'intéresse pas. Encore du burn. Off. En vrai, plus 1 la vie pour les Tesla, c'est pas mal. Bon, mon but c'est qu'ils arrivent avec le moins de shield possible à travers ce dernier couloir. C'est pas évident mais... En tout cas la mana 20-20 ça gère. Qu'un particule plus 1 au shield. Un problème c'est que j'en ai qu'un donc c'est pas très rentable. Mais le reste est pas fou. Je pourrais terminer avec du shredder. Terminer avec du shredder. En plus j'ai une belle ligne droite finale. Ici ça touche pas, plus 2 plus 3, oh, c'est intéressant ici. Tesla plus 2 la vie, ouais bah écoute. Oh putain il y avait un coffre, ils ont tué un boss, j'avais pas vu. Oh plus 1 la vie les shredders. Alors là je dis oui. Oh, c'est trop bien Lacy. Je suis le découpeur. On n'a pas débloqué de mana. Faut pas que je rajoute quoi que ce soit sur les tours qui consomment de la mana, sinon je risque de déséquilibrer ma composition actuelle. Ici c'est naze. Du plus 2, après je peux tolérer. Ah! On n'a pas encore posé de mortier, faudrait que je pose d'ailleurs. Lance-flamme plus 50% de burn. Pas assez d'or. C'est parce que j'ai misclick pendant que je choisissais, voilà pourquoi. Plus 2.
Oui, siphon de maman. Ah non. Ah si, ça touchait. Oh yes, encore un coffre. Putain, la vie mortelle. Banque de mana, ça m'intéresse par contre. Juste pour le dire, j'ai plus de mana max. Ça coûte cher, mais je produis beaucoup, mais ça va dépendre de comment. Gagner un peu de mana max, c'est pas dégueu. Ricochet. Ah, plus 3 la vie. Hein. Une mire enflammée prenne plus 1 d'armure. Alors, plus 3. Il est génial ce spot en vrai. Oh, avec les six, avec le saignement. La maison hantée m'intéresse. Ça me donnerait. Attends, ça me donnerait que 6. Attends, c'est giga de la merde. Ça me donnerait 12. Donc c'est 6 par tombe. Je vais faire les spots où je peux les caler entre deux. Après, c'est un investissement. Hein. C'est comme les tours sur les maisons. Ça vaut même plus. Après, l'avantage de la maison hantée, c'est que ça coûte que 100 et tu peux en construire autant que tu veux. Après, on a 8 vies. Là, en plus, je laisse passer 2 mobs, c'est la fin. Ah, je vais pas être gourmand, je vais pas en faire plus. Je suis très tenté de refaire un canon de particules. Alors les emplacements plus 3 par contre je crois que j'en ai plus. Oh, ma pauvre mana qui est en train de souffrir. Je produis beaucoup, mais je consomme beaucoup. C'est ça qui font du poison.
pense qu'on tient un truc. Par contre, vague 25, c'est le moment d'y arrêter. Poison, flamme, saignement. Bon là, va pas falloir déconner. Si c'est le boss qui... Si c'est le Oogie Shaman qui invoque, va falloir que je refasse un canon de particules. Et si c'est le Oogie à bouclier, ben c'est la panique parce que je sais pas ce que je vais faire. Je ferai plein de mortiers ici au pire. Et alors il y a un... c'est pas lui. Ok, c'est le Oogie, Shin. Ça va le faire. Ah oui. Un canon à particules qui lui fume sa race. Le Soul Shepherd, le berger d'âme Oogie. Oh ma maman. Oh là là. C'est bon, on a eu... Ah, par contre, j'ai chié dans mon froc. C'était quoi la proba pour qu'on ait un lieutenant en plus du Sulugi? Encore du poison. Plus de la vie sur les shredders. Ah oui, le saignement augmenté. Ah, les ennemis qui saignent subissent plus 1 de dégâts à la vie. Oh, Tesla qui gagne des critiques. Oh là là, plus 3 à la vie. Ah, il y a des trucs trop bien. C'est bon, on a battu la bibi. Oh, let's go. En single defense en plus. Pas assez d'or. Ok, eh bien, là, c'est de la découverte, désormais. Oh là, il y a de la musique sérieuse. Faudrait que je refasse un radar. Ah le... Ah le code couleur il a changé et tout. Il y a un filtre et tout, c'est le mode sérieux. J'ai mal à ma mana. Je vais refaire une banque de mana. Store plus. Ah, les critiques. Ah. Ah, plus chance de critique contre les ennemis qui saignent. Oui. Faut absolument que je pose un lance flamme ici. Il y a un ennemi qui passe. Oh, 2, 3. Donc c'est dégâts plus 3. Augmente les taxes sur les morts de 15%. Il y a des upgrades sur les hontés. Avec sanguinesse, c'est quand même pas mal.
Parce que les mortiers ici, c'est pas mal, ça couvre plein de choses. 1002, c'est trop cher. Ah, les fameux shrines! Il faut poser une université à côté pour obtenir des recherches. Oh, il me faut absolument. Que 48 de base. Même sur l'ennemi le moins efficace, ils font quand même 480. C'est génial. Saignement augmenté. Je pose quand même énormément de feu. Les saignements au feu, les deux étaient très intéressants pour nous. Oh mon dieu. Oula ma mana. Oh, oh, je crois que c'est la fin de cette run. Allez, bi blanc, finis-le. Oh Dieu merci. J'avais tellement peur que lorsqu'il meurt, ça fasse apparaître d'autres ennemis. Pour ça je me suis dit c'est foutu. Oh, la mana c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud mais on y arrive. Shredder gagne 15% de critique. Oh, poison, saignement, brûlure plus 40 par seconde. Les deux, oui. Enfin, les trois, c'est... On en fait trois. Monter la mana. Je vais refaire un radar. Level up dans tous les sens. Je suis tombé à court de mana. Faut que je refasse des banques de mana. Parce que j'ai pas eu la chance d'avoir de nouveaux siphons. J'exploite tout. J'ai mal. J'ai mal à ma mana. C'est mon dernier rayon de soleil, Billy. C'est bon, je remonte. Ok. Plus 1 au shield. Tous les canons font plus 3 armures. Canon, je suis à 1050. Après, les canons, je trouve que c'est un bon starter. Chemin ici. Je construise des tours dans ce milieu là en fait. Quoi construire par contre? J'ai pas d'or. J'ai tout dépensé.
La tornade, mais à fonce. Ah oui, la régène de 1% du mana max. Avec la banque de mana qui augmente la mana max. Allez, zou, 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 zou. La mana, tiens bon la mana, tiens bon la mana. Oh non. Oh, les tornades vont tellement vite. Nixas! On pète le PB mais on fait pas semblant. Oh, tous les ennemis qui saignent subissent plus 1 de dégâts au point de vie. Oh, c'est un plus 6! Je me fais un kiff sur les upgrades. Vraiment casser un maximum d'armure. Ça touche pas, c'est naze. Oh ma mana. Putain, même avec le 1% de régène. J'adore, c'est t'as 3 biplans qui s'envolent tranquillement, tout va bien. Oh, plus un dégât, par le saignement. C'est le numéro 3 en plus qu'on a. Petite tour Tesla ici. Après le café. Oh, le coup de particule instantané. Blah! Tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a comme shield. Oh ma pauvre mana. C'est bon, on a eu le petit caporal. Tesla plus de critiques. C'est quand même ma tour qui ouvre tout. Vraiment beaucoup d'ennemis, j'ai du mal à savoir où ça merde. On rentre dans cette phase malaisante où j'ai du mal à trouver des points où ça pourrait être gold de poser X ou Y pour. On a toujours pas vu le troisième boss, hein.
Ah là, c'est un problème. Oh, le légui sixième élément. Merde, j'ai fait une upgrade d'armure au lieu de shield. Ah non, il y a un caporal plus un... Le frère silence. Pourquoi il a un symbole de bitcoin? Je pense que c'est perdu. Je suis en train de voir la quantité de shield qu'il a. Il est même pas abîmé sur l'armure. Ah ouais, c'est la dernière vague. Là, c'est la 35. C'est notre dernier rayon de soleil. Et c'est finito. 8 vies. Logi, il est pas... Il a perdu tout son shield. Oh là, ah oui, il y a un espoir. Alors peut-être. Ah oui, il a rien fait quand il est mort. Oh, régénérer 3% de votre mana. Plus 2 dégâts à la vie pour les lance-flammes. Ouais. On a pris 8 par un caporal. 25% de poison particule. Chaque ennemi tué régénère de 1% la mana max. Oh, je préfère les dégâts de poison. Les ennemis qui brûlent subissent un dégât d'armure supplémentaire par toutes les attaques. Oh, l'université. One shots. Là. Monster Elf Study, Monster Studies. Oh, Global Elf Damage. Discovery Chain. Ah, c'est... Ah, oh, putain, c'est aléatoire. C'est à chaque vague. Ah mais nous on est à la vague 35. C'est trop tard pour ça. Oh, il y avait un petit cube de... Il y avait un petit cristal de mana ici, j'avais pas vu. Oh, ici aussi! Ah, c'est bien, je vais pas avoir besoin de payer 8000 d'or pour augmenter ma régène. Oh, ils vont tellement loin maintenant. Particule plus 2 sur les shields. Ah, Tesla plus 1. Monster Studies. Toutes les tours. Ah, toutes les tours gagnent plus 1 contre les shields. Mais attends, je croyais que c'était... Ah non, mais c'est random. Ah, peut-être que le fait d'avoir une université, ça te débloque... Oh, c'est trop bien. Attends, faut que je fasse list shield most armor. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs ça. Il y en avait un ici. Oh ouais, ça, j'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment
bousiller mon pognon, quoi. Ça devient de la folie, ce jeu. Je me rappelais que c'était génial, mais... Ah, c'est quoi ça? 4 scores. Donc, il fait spawner les ennemis. Un troisième radar, ce serait pas du luxe. Bordel, c'est génial. J'adore cette phase où il y a tellement de choses que tu as du mal à savoir. En plus, trop la vie. On a pas le, franchement, c'est très bien. Qui font du poison. En fait, le truc qui est cool, c'est que la Tesla, ça tape vraiment tout le monde. Donc du coup, le fait que ça applique du poison, bah, c'est génial. Mon Dieu, j'ai plein d'or. Hein. Incroyable, quand on avait un mur au niveau 24 et là on est 38, quoi. Tous les dots qu'ils ont, mais non. Immolation, ah, y a tellement de choses. Ah, mais une upgrade par round, c'est génial. J'ai encore des armes? Non, j'ai pas d'armes, ça sert à rien du coup. Ah oui, j'ai aucun nom. Juste chine. 15% de critique. Tours particules, 25 poisons. C'est vrai que les tours à particules. Enfin, les canons à particules, ça vise des grosses unités. Du coup, le mettre du poison. Je sais pas en vrai. 15% de critique, c'est pas mal. Ça touche tout le monde. Ouais. Mortier uniquement pour faire des sous. on est arrivé à ce stade. Ça se rapproche, mais non. Okay.
C'est bien de la folie. C'est génial. Oh ma mana. Ah non. Mais quoi, il y a encore des mecs avec de l'armure qui ont survécu jusque là? Ah c'est finito. Wow. Ah mais quand ils meurent, ils se divisent. Ah ouais, ah c'est pour ça. Oh ce biplan. Ce biplan est un héros. Ah mais ouais, quand il meurt en fait, il faisait d'autres ennemis, il récupérait de l'armure, c'est pour ça. Oh, putain, j'aurais dû claquer en vrai. Il y a un boss. 40, est-ce qu'il y a un boss? Il y a pas de boss. Si, il y a un boss. Le Hateful Eight. Oh mais les ennemis qui se divisent, c'est un cauchemar! Il faut avoir des tours Tesla tout le long en vrai. Je vais faire une Tesla ici. Là les ennemis qui se divisent, c'est des Tesla. Des shields, pardon. Oh là là. Non. Ah dommage. Ah putain. Waouh, et c'était génial. C'était vraiment génial. Putain, 1500 on a gagné. Plus 820 pour avoir fait 40 niveaux. C'est génial. Eh ben, waouh! Ah, si j'avais les upgrades, genre Tesla. Je dois débloquer combien de cartes avant de faire des trucs cool? 10! Bon, ouais, 10. Exsanguinate. Ignite. Si j'avais Ignite aussi. Après, le poison. Ah, ouais, si, le poison. Ah. Il y avait tellement de trucs à débloquer. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Très bien. Pour obtenir 100 d'or, prochain début de partie. Il faut encore débloquer 10 cartes. Bon, Tesla, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que... on en place quoi qu'il arrive. C'est comme le lance-flamme, c'est comme le mortier. J'ai réussi à implanter le truc. Le Frostkip, je ne peux pas encore mettre une tour qui utilise de la mana. Déjà, je suis extrêmement dépendant de la mana. Campment, Lookout, Monument. Tour canon, ouais, hein. Ouais. Démembrement, ça fait du bleed. Chaque fois que le boulet de canon touche un ennemi, il gagne plus 1 dégâts de base. Oh! Des meilleures boules. On commence de nouveau avec 100 d'or supplémentaire. Encore 9 cartes. Ils disent pas combien ça coûte. Mais ouais, petit coup de kiff hein, en vrai sur les tours canons. Il manquait 2, 3, c'est ça, 4. 4. Putain, les tours Tesla peuvent faire du poison, du bleed, du burn. Okay.
Et on commencera encore avec 100 d'or supplémentaires. Oh putain, mais on va commencer avec Vlad et Thune, en vrai. Réparation, fortification. Fortification m'intéresse plus que les réparations, je vais être honnête. Mais il manque de points d'XP. Ça sera réparation. Et ben, bah la vache. C'était une run, mais quelle run en or. Bon, les amis, malheureusement, c'est la fin de cette run et surtout de cette VOD. Pour tous ceux qui sont entrés, ne vous inquiétez pas, on refait encore une petite partie. C'était la chaîne de Fer, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Rock Tower, et je vous dis naturellement, ciao à la prochaine !